Jean-Baptiste Hoffmann, c'est Molière, bien évidemment. Alors ça fait partie de l'expérience française, bien évidemment, parce qu'il faut défendre notre patrimoine, notre langue, notre civilisation, notre culture. Donc Jean-Baptiste Hoffmann, c'est une association qui se propose de réaliser des spectacles vivants, des pièces de théâtre, éventuellement des concerts, mais toujours sur scène. Et l'objectif, c'est de vous apporter surtout une perspective de qualité. Donc l'idée, c'est d'essayer de, à chaque fois qu'on va réaliser un spectacle, de se faire accompagner avec des professionnels, que ce soit des comédiens, que ce soit des techniciens, pour effectivement apporter le meilleur. Donc, Jean-Baptiste Hoffmann, l'année prochaine, en janvier, au Théâtre Saint-Léon, du 11 au 28 janvier, se propose de vous présenter un spectacle qui s'appelle Essentiel. Est-ce qu'il y a des catholiques dans la salle? Eh bien, ça tombe bien, c'est écrit pour vous. Alors ce spectacle, il vous attend et va remettre notre foi en dignité. Parce que notre foi chrétienne fait partie de notre patrimoine. Non seulement c'est notre culture, notre histoire, mais c'est aussi notre avenir, donc l'espérance française. Et je serai là tous les soirs pour vous accueillir. Je ne vous reconnaîtrai peut-être pas tous, mais en tous les cas, je le ferai toujours avec bienveillance. Donc je compte sur vous. Et puis il y a un autre message que je voudrais donner qui est important aussi. C'est que dans notre démarche, parce que notre démarche elle est vraiment complète, ce spectacle il est gratuit pour tous les religieux, les prêtres, les séminaristes, les diacres, les abbés, les sœurs qui viennent. C'est aussi pour eux, vous pouvez les applaudir, ils en ont besoin. Parce qu'il y en a qui sont exceptionnels, j'en connais. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire, je vous embrasse, passez une excellente soirée et j'espère que vous viendrez nombreux au Théâtre Saint-Léon du 11 au 28 janvier 2024. À bientôt.